FBM Mataba, je dis bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, nous sommes en train de veiller, c'est Lydia la Congolais. Alors, quel est le regret que vous avez en ce précis jour? Ce sont les regrets d'émotion d'abord. Un départ inattendu. Un départ brutal. Mon cœur sans. L'émotion est vive. Un petit souvenir de Lydia la Congolais. Quelle était votre relation générale? J'étais là avec elle. On a assisté même. Je regarde un peu si c'est bon. Aux obsèques de mon frère Joss. Impossible de lancer la On a assisté, elle était dans ma voiture. J'ai connexion. C'est. Je dis bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Paco Boy. Voilà, en pleine fontitié, les larmes aux yeux, les émotions sont là, remarque. Alors, un mot fera du bien pour les fans de l'émission ça plus ça. Mais le mot, comme vous le savez, on est triste d'avoir perdu notre très chère sœur, Lydia la Congolais. C'est avec un cœur meurtri qu'on est là à la veillée ce soir. Les parties, un départ comme vient de dire Mataba, un départ inattendu. Donc ça ne peut qu'être la tristesse. Alors quelle a été donc votre relation avec Lydia la Congolais? Est-ce que vous l'avez connu des souvenirs de Lydia la Congolais? Souvenirs avec Lydia la Congolais, on ne peut même pas les compter, on ne peut même pas les citer parce que en fait pour moi c'est une sœur, on a vécu toute notre vie à Paris. Donc voilà, elle venait chez moi, je partais chez elle, je connaissais la famille, on se fréquentait, on était devenu une famille. Donc vraiment les relations, c'était des relations familiales. Voilà, c'est beaucoup de tristesse que je vous l'ai dit, les souvenirs donc elles sont énormes, elles sont nombreuses. J'aurais même pas le courage de citer un seul souvenir. Bah, voilà, vous êtes déjà une grande personnalité. Est-ce qu'il y a en vue une certaine organisation concernant le monde de la sapiologie, question de rendre hommage à notre chère Lydia, les obsèques, est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu ou bien ça va voir plutôt plus tard? Et voilà donc, la sœur Lydia nous a quittés hier. Il est très tôt qu'on fasse des programmes pour les obsèques. Mais je peux déjà dire et lancer un appel à toutes les personnes, à tous les Parisiens, je veux dire qui sont ici à Pointe-Noire ou à Brazzaville, et surtout ceux qui sont ici à Pointe-Noire, et qu'on se retrouve le plus rapidement possible ici, au lieu de la veiller, ou plus tard, je veux dire mardi. C'est un appel que je lance. Tous les Parisiens, Parisiennes qui sont présents ici au Congo, pour ceux qui peuvent se déplacer, qui sont à Brazza, qui sont à Dolizy, et surtout ceux qui sont ici à Pointe-Noire, on se donne donc rendez-vous le mardi ici au lieu de la veillée, afin de définir, voilà, de faire un programme pour voir ce qu'on peut faire pour accompagner notre sœur. Et ça vraiment c'est un message qui est très très important parce que chacun de nous ne devait pas rester dans son coin. Je donne un rendez-vous mardi 16h, 15h, 16h, on se retrouve ici au lieu de la veille au quartier Ntchétché à Bosco, à l'autre là, Saint-Jean-Bosco. Saint-Jean-Bosco, voilà. Disons, je dirais
juste Saint-Jean-Bosco en quittant marché Tietje, en allant vers le rond Tietje, le rond du fond Tietje. Juste après le mur de Saint-Jean-Bosco, il y a une petite ruelle en dallette. La seconde ruelle à droite, pour entrer, troisième parcelle à droite. Voilà, donc le deuxième message, je lance un message aux sapeurs. Vous savez, la sœur Lydia, elle a été donc parmi les personnes qui pratiquaient la SAP. Parce que la SAP, pour nous, c'est un métier. Donc, je demande à tous les sapeurs de Brazzaville, les sapeurs de Dolisie, les sapeurs de Pointe-Noire, si on peut se donner rendez-vous le mardi, le même mardi, parce qu'il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on fasse des commissions pour savoir qui va faire quoi, qui c'est qui va faire quoi. Et pour les personnes de Paris, nous sommes ici sur le terrain avec le producteur Max Tumé. On est ici à Pointe-Noire. Donc, nous on est là comme vos interlocuteurs. Tout ce que vous allez décider là-bas, je suis à votre disposition. Mon téléphone, vous le connaissez. Je l'ai passé tout à l'heure dans mon direct. Vous m'appelez afin qu'on puisse s'organiser ensemble, savoir ce qu'on peut faire. Et je compte sur vous, la diaspora à Paris. Merci. Yegan Nkuka, je dis bonsoir à vous. Bonsoir, Paco. Yo, le gros, le pega kili kili bedo lela. Alors, lelo, tout le monde a dit qu'on a vu l'idée de la Congolais qui sort de la Katimini. N'est-ce pas, nous, on a vu ce que tu Alors, il y a par rapport à départ de Naïf. Bon, le même coloba, en tout cas, dépend de l'idée quand il est. Bon, notre sœur Lydia la Congolie, hein, c'est une sœur qui a marqué l'histoire de la sapologie, que personne ne peut ignorer, puisque même parmi les plus grands sapeurs de ce grand mouvement, tout le monde connaît Lydia la Congolie, hein, sauf que il y a quelque chose de très triste dans cette affaire-là. C'est pour ça que je voulais attirer l'attention dans le monde de la sapologie. Il ne faudrait pas qu'on insère les parents avec la mort de Lydia la Congolie. Nous sommes dans une zone très sensible. Et la zone la plus sensible du pays, c'est le fond Tietje. Vous connaissez ce que veut dire fond Tietje, je ne peux pas trop décrire beaucoup de choses. Elle est morte. Chacun a son jour. Et nous savons que la mort est toujours brusque, est toujours brutale. Donc on ne peut pas définir plusieurs formes de choses. Elle est partie, ce qui reste c'est l'enterrement. Et j'ai fait un appel solennel à tous les sapologues de venir à la veillée. Sauf qu'on constate que c'est comme si les gens attendent le dernier jour pour arriver à la veillée. La veillée est triste à perception, alors que nous avons perdu une personne de très importante, très capitale. Mais les gens attendent toujours. C'est ça qui est marrant dans cette affaire. Quand il y a quelque chose qui arrive, les gens doivent se retrouver comme notre frère Anakla Couronne, qui est le manager de Norba de Paris, qui vient de faire un appel à tous les sapologues d'arriver et d'organiser. Vous voyez, quand, c'est ça qui fait la fierté. Et c'est ça que les gens m'ont dit, oui, les gens sont disciplinés dans leur mouvement. Mais quand on constate que c'est comme si c'est des voyous, c'est comme si des gens qui viennent se distraire dans la société, tu vois, ça pèse pas trop. Donc il faudrait que les gens arrivent pour que nous marions que non, c'est quelque chose qui est là, c'est très respectable, et que nous serons dans un mouvement plus élevé que ça. Bonsoir. Bonsoir, Paco. Voilà, l'idée de la Congo, tu as dit, mon équipe, Azaraka icône à mon nez na ma cambassap. Donc, Nazo Senga n'a pas membre pour un groupe Big Jig Sap dans le cours de grand. Vraiment, vous participez na matanga ou bande de cotisation, opération Pesmongangé avait donc bandi en Algérie. Vous m'avez tout tambour la gana Kaebe, donc bande de cotisation. Vous voyez, après pour assister famille. Parce que tout le monde est côté. Il y a Zaraka s'appelle, il faut honorer bien, et qu'il n'a pas honoré tout.